Voilà, est-ce que tu préfères le doigt ou la langue? La langue, bien sûr. Quoi? On a pas bien vu le geste avant. Le geste. Tu as demandé si vous faites quoi? Le doigt ou la langue? Le doigt ou la langue? La langue. Mais pourquoi? On va tout vous dire quoi? Point d'interrogation. Pas tout, on peut dire, mais c'est qu'est-ce que tu. La langue, quoi. Y a pas de. Ça veut tout dire. Son geste. Y a rien à dire. Attends, c'est plus doux que le doigt. Là. Doigt, c'est quoi? C'est quoi que doigt? Doigt, même souvent, il y a un micro. C'est quoi que doigt? On dit la langue. Le chat. Donc, quand ton mari te fait ça, tu es aux anges. Mais avant de commencer par la langue, il fait par le doigt là-bas, non? C'est pas le mon wang. Mon wang, c'est la langue. C'est ce que tu fais. C'est qui peut te mettre en tas là, c'est ça? J'aime doigt, mais langue. Le coup de ça. Yeah. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Le doigt ou la langue? La langue. Trop oh, bien, tu n'as pas entendu. J'ai dit la langue. Pourquoi la langue? Ah, comment tu connais? Ou bien? Faut m'expliquer. Aïe. Faut m'expliquer, comment tu sais? Attends, c'est plus doux que le doigt. Tu n'es pas obligé de demander, toi, mais tu crois. Le doigt n'est pas doux comme la langue. Non, le doigt, ça fait blesser. D'accord. C'est pas tout le monde qui sait utiliser le doigt, ou bien. Allez, la langue là, c'est au 7e siècle. Il n'y a pas dans la boue. Reste ça sur moi. Mais si toi, ton chéri a essayé de faire la langue. Aïe, c'est son travail, même. Son travail. Oui, il a même refusé. Jamais, Et puis, il fait ça bien. Très bien, même. Non, j'espère qu'avec ça, tu peux ne pas le tromper ou bien. Oh, ma chérie, ça a dit ça. Ça dépend de. Jésus! Ma tata. Bonjour, madame. Voilà, vous préférez le doigt ou la langue? Le doigt. Pourquoi le doigt? Parce que le doigt. Tu vois, les mains, dire. Donc. Que le doigt est efficace que la langue. Oh oui. Et avec le doigt, mais tu n'as pas peur souvent des microbes. Souvent on dit il y a des microbes. Tu le, peut-être ton conjoint peut ne pas bien laver sa main après avoir fini de manger. Des microbes. Quand on parle de ça là, c'est la propriété. Hein. Parce que déjà c'est une chose qui est sale. Quand tu dois faire là, tu dois te nettoyer tout et tout, te rendre propre. Tout doit être propre avant de commencer. Donc je pense qu'il n'y a pas d'infection ni de maladie. Hein. Mais toi, tu es sûr qu'avec ça, là, ça t'excite le plus? Oui! Est-ce qu'avec ça, il arrive à t'aimer ou pas? Parce que souvent, tu peux aimer, mais ça peut, il peut ne pas savoir faire son travail. Mais le coup de ça! Enfin, il maîtrise ce domaine. Ouais, il maîtrise. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Le doigt ou la langue? Coucou, le doigt ou la langue? Les deux. Les deux, non. Franchement, il y a un qui préfère plus que l'autre. C'est compliqué. Moi, j'aime les deux, franchement. Il y a forcément un qui fait plus. Non, il demande, il sait qu'il y a forcément un qui te fait plus plaisir, mais c'est les deux mêmes qui te font plus, le plus plaisir. Les deux. Les deux. Ouais. T'es sûr? Oui. Avec les deux, tu es sûr que lorsque tu peux être. C'est pas super. Ouais. Et celui qui est là, il le fait bien. Oh, hyper bien. Le coup de ça. Les amis pleins de ça. Non, j'avais. Est-ce que lui-même, il accepte de le faire? Il y a des hommes qui n'aiment pas ça et qui n'aiment pas le faire. Ouais, tranquille quoi. Il accepte. Oui. Toi, tu aimes bien. Bonjour, chers internautes. Merci de nous prendre en marche pour ce nouveau sujet. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à Angre 8e tranche. Non loin de du marché de Coco Vico là, voilà, et avec vous nous parlerons d'un sujet très important, un sujet qui concerne uniquement les femmes. Le sujet de ce jour est, je préfère quand ça sait, quand ça flotte ou quand ça prend la forme de votre vagin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker notre chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Abonnez-vous, likez, laissez des propositions de sujets et commentez aussi. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien et vous?
Je vais très bien. Souriez un peu devant ma caméra, un peu, vous me regardez seulement. D'accord. D'accord, pas de soucis. La question est très simple. Vous préférez quand, c'est, quand ça flotte, quand ça serre ou quand ça prend la forme de votre sexe? J'aime quand ça serre. Ça serre. Voilà. Pourquoi? Quand ça serre, je suis plus à l'aise. Je sens mon homme en moi, au fait. D'accord. Voilà, je préfère plus que quand ça serre, là. Je sens qu'il est en moi. Parce que quand ça flotte, là, t'as l'impression que trop mouillé. Même souvent, même quand je fais l'amour avec mon mec, quand je jouis et que je suis trop mouillée, même j'arrête, j'essuie. Je préfère le senti, j'aime le senti. Donc je préfère quand ça sert. Ok. Ça fait pas mal hein, quand ça sert. Non, quand c'est bien fait. C'est bien fait, ça fait pas mal. Voilà. Quand c'est mal fait avec assez de violence, c'est ça qui... Forcément, ça va faire mal. Mais vous n'aimez pas que ça prend la forme de votre sexe? Bon, si ça prend la forme de mon sexe, il n'y a pas de souci. Parce que moi-même, généralement, j'ai un petit sexe, excusez-moi. Voilà, je ne suis pas profonde. Donc, si ça prend juste la forme de mon sexe, il n'y a pas de problème. Mais j'aime pas quand ça flotte, j'aime quand ça sert. Ça sert même. Quand ça sert, là, c'est ça qui est bon. Tu sens le goût, tu sens le matos en toi. Petit. Intensité même. Voilà, c'est ça. D'accord, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Mm-hmm. Voilà, vous préférez quand ça sert, quand ça flotte ou quand ça prend la forme de votre sexe? Bon, je préfère plus que ça sert avant que ça ne prenne la forme. Parce que quand ça sert dans les débuts, c'est encore plus facile et plus excitant, quoi. Et puis après? Et puis après, ça prend la forme normale. Prend la forme normale. Mm-hmm. Vous préférez d'abord quand ça sert? Voilà. D'accord, mais on dit souvent que quand ça sert, c'est plutôt pour les filles vierges qui viennent de vierger, mais pour celles qui connaissent là. Non, mais pas forcément pour les filles qui sont vierges. Quand tu es une fille, tu n'es pas trop habituée à faire des rapports. Voilà, c'est normal que ton sexe sert. La vérité. D'accord, et vous vous sentez à l'aise avec quand ça sert là? Mais bien sûr, en tout cas pour toute femme normale qui ne fait pas trop de sexe, qui n'abuse pas du sexe, voilà, c'est normal que ça sert. Mais ça flotte pas et ça vous fait pas mal quand ça sert? Non, mais c'est normal. Le voilà, mal. C'est le mal naturel. Jésus. Donc, on le fait avec. On supporte. On supporte. Le plaisir. C'est ça. D'accord. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Vous fuyez, vous me fuyez. Approchez, puis regardez la caméra, là, voilà. La question est très simple. Vous préférez que ça sert, quand ça flotte ou que ça prenne la forme de votre sexe? Je préfère quand ça sert. Et pourquoi quand ça sert? Là, encore, c'est encore relax, quoi. Relax. Oui. Vous sentez à l'aise avec trop. Ça. Quand ça flotte, j'ai l'impression qu'il y a du liquide. Non, ça me fait pas. Mais avant de pénétrer, on prend un liquide, non? Moi, j'aime pas de liquide. J'aime directement. Directement. Oui. Donc, j'aime que c'est sec. Oui, et puis ça va droit. Là, c'est intéressant. Ça fait pas mal. Pas mal. Non, ça me fait pas mal. Ah bon, hein? Oui. Mais quand ça finit, ça rétrécit. Oh, ça rétrécit. Oui, ça rétrécit. Oh, d'accord. Mais attends, ça dit que si tu as ton homme, si tu l'es qui est là, et puis tu couches avec un autre homme. Toi, tu aimes que ça sert, non? Quand tu vas avoir les rapports avec ton titulaire, là, comment tu fais pour que ça sert? Il y a beaucoup de produits à la pharmacie pour ça. Énumère un peu un produit, un nom comme ça. Bon, ce que nous, les femmes, on appelle ça un serré-serré. C'est quoi ça? Serré-serré. Oui, serré-serré. C'est un secret des femmes. Oui, secret des femmes. Tu prends du sel là-bas. Quand tu fais ta toilette. Quand tu es dans ton nom, mais c'est pas que tu as fait la toilette, mais. Ça sert normalement, comme si tu devenais une vierge. Comme si tu étais vierge. Oui. Hein? Oui. Comme si tu nais de nouveau. Oui. Il sait rien. Il sait rien, même. Ah, il sait que le médicament il est puissant. Trop même. Serré-serré. Faut donner le nom, quoi. Toi, on va ça comment? Serré-serré. Ça se vend où? Les vents vont partout, ça se vend partout sur tout le marché. Sur tout le marché, on dit serré-serré, hein. Ça permet de serrer en bas. Petit. Voilà, là votre homme ne va pas savoir si vous avez fait ou si vous n'avez pas fait. Voilà, donc n'oubliez pas, achetez le serré-serré. On considère que toi tu aimes que c'est serré. Oui, j'aime ça. C'est pas mal. Oui, là c'est relax. Dès que ça prend la forme de ton sexe. Non, ça me plaît pas. On n'a qu'à serrer même. Oui, là comme ça c'est un peu intense. Là tu ressens ton homme. Alors là c'est gâté. Oui, oui. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah, je sens que vous êtes un peu timide, mais c'est mon impression. Le mal naturel, c'est un peu timide. Ah, désolée alors. D'accord. La question est très simple. Vous préférez quand ça sert, quand ça flotte ou quand ça prend la forme du sexe? Waouh, c'est une question, hein? Oui. Bon. Bien évidemment, pour une belle jeune dame comme vous. Ok. Moi, je préfère plus quand ça sert. Quand ça sert. Et pourquoi quand ça sert? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a du plaisir. Ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et quand ça flotte, ça n'a pas de plaisir. Ça fait du bruit. Oui. Et que ça prend la forme même. Ouais, c'est pas aussi mauvais.
On dit que quand ça sert, c'est pour les femmes qui sont vierges, qui viennent à peine d'être déviergées, que ça sert. Ça dépend de l'entretien. Pour les femmes qui connaissent là, comment ça se fait-il que ça sert? Ça dépend de l'entretien. Ah bon? Tu trouves, hein? Quand tu entretiens plus, voilà, ça peut serrer, en fait. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui sont un peu large nature, en fait. Donc, du coup, ça peut flotter à tout moment. Est-ce que les hommes, là, ils exigent le fait de que ça soit serré ou bien c'est comme ça? Hey, qui n'aime pas plaisir? Point d'interrogation. C'est quand ça sert que c'est intéressant. Je veux dire, il y a d'autres qui se contentent de ça. En droit, vous, les hommes que vous avez l'habitude de croiser, ils n'exigent pas ça. Non, ils n'exigent pas. Moi, vous pensez que ça sert pour permettre à l'autre de prendre du plaisir, à vous aussi de prendre du plaisir. Oui, oui, c'est ça. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Voilà. Pardon, il ne faut pas fuir à cause de notre question. Il y a une question simple qui concerne les jeunes. Pas la honte. D'accord, la question est la suivante. La suivante, tu préfères quand ça sert, quand ça flotte ou quand ça prend la forme de ton vagin? Quand c'est juste. C'est pas mal quand même, hein? Quand c'est juste. Oui. Ça veut dire que quand ça prend, c'est quand ça prend la forme que là tu aimes, non? Oui, quand c'est normal, c'est juste. Faut pas ça serrer, faut pas ça flotter, mais ça n'a qu'à être au milieu. Mais pourquoi? Parce que pourquoi tu préfères quand c'est au milieu? C'est mieux ici, parce que quand ça sert, quand ça flotte, ça fait mal, on dirait. Ça doit faire mal. Ça fait mal, on dirait. Tu me poses la question ou bien tu te poses la question? Ça fait mal. Ça fait mal. Pour toi, ça fait mal. Pour faire que ça prenne la forme. Voilà, genre, c'est normal. Normal. Oui, ça ne dépasse pas, c'est pas petit, c'est pas grand, c'est pas. C'est ça. Et ça, c'est ça, Alain. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker notre chaîne Loupi. Voilà, en activant la cloche de notification. En cela, vous pourrez vous abonner. Et aussi, laissez des propositions de sujets en commentaire. Commentez aussi, donnez votre avis sur nos différents sujets. Voilà. Et n'oubliez pas, nous sommes proches de la fête de la Saint-Valentin. Profitez de cette occasion pour faire la paix avec votre chérie, votre petite amie. Voilà, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Que Dieu embellisse votre journée. Voilà, illumine votre journée. Et sur ce, à bientôt. Bye.